Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du Bar de l'Ours. L'ours c'est moi, le bar il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve pour vidéo de dégustation du blanc qui pour moi aura été je pense mon coup de cœur des blancs de l'année 2022. Donc sorti en 2022, on est sur la Guadeloupe. La Guadeloupe elle est ici, elle est présente, vous avez le beau petit flacon qui est ici à côté de moi aujourd'hui. On est sur une bouteille qui nous vient de chez Longto. Vous le savez, l'ours, il aime plutôt bien les blancs guadeloupéens et Longto, il déroge pas la règle, ils font de très 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 bons blancs. Je suis souvent un peu plus conquis par leurs blancs que par leurs vieux. Et là, pour moi, on est vraiment sur une petite pépite. Donc on est sur un rhum agricole de la Guadeloupe, hein, on a l'IGP. C'est du pur jus de canne, distillation colonne, puisqu'on est, on sort de chez la maison Longto. Et rhum blanc, 57,5 degrés, le rhum Constellation. Très belle bouteille, on est sur une édition limitée. Édition limitée qui vient aussi avec le petit étui qui est là, avec effectivement Constellation dessinée sur la bouteille, sérigraphiée plus sur le petit packaging avec, je ne sais pas si c'est un vernis ou si c'est une encre, posée dessus. Donc c'est plutôt joli. La bouteille est plutôt, en fait elle est plutôt sympa, ça fait un petit flacon, tu vois, elle n'est pas très grande. Petit flacon bien en main comme ça. Donc ce petit Constellation, c'est une édition limitée pour la Route du Rhum. La Route du Rhum, c'est quoi? C'est une course maritime qui a lieu donc tous les 4 ans et donc c'est entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Donc la Bretagne de nos amis bretons, l'ours un petit peu de sang breton. Si vous le saviez pas, voilà, vous êtes au courant, c'est peut-être pour ça qu'on est un peu là-dedans. Et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Pourquoi Constellation? C'est tout simple, c'est parce que c'est comme ça, c'est grâce aux constellations, donc aux étoiles dans le ciel, que naviguaient les marins avant qu'on ait l'apparition de tout ce qui est outils de navigation moderne et de bord. Donc voilà pour le petit clin d'œil. Il y avait déjà une cuvée qui avait été faite donc en 2018. Donc là on est sur un jus qui nous vient de deux parcelles différentes, la P1 et la P7 chez Longto. Le 2018, l'ancien blanc, il était de trois parcelles différentes, c'était que de la canne rouge. Là on a canne rouge et canne bleue. On est sur 57,5 puisque c'était en fait le degré qu'ils avaient donné à la première cuvée donc en 2018 Constellation qui était déjà donc pour la Route du Rhum et en fait c'était le juste milieu qu'ils avaient trouvé entre leur 55 et leur 62 pour l'expression de ce jus là. Il faut avouer que ça fonctionne plutôt bien. Après quand on connaît le 62 Longto classique chez eux, on sait que on a affaire à de jolies choses. Donc on est sur une sortie limitée, on est sortie limitée quand même en gros titrage puisqu'on a 17 400 bouteilles qui sont sorties. Vous êtes sur la 10049 si vous voulez tout savoir. 57,5, 70 centilitres et vraiment très joli. Moi j'ai un gros crush sur le packaging. Vous l'avez vu sur les photos Instagram que j'ai faites. Franchement c'est très 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 joli. Et en parlant de choses jolies, on a un petit verre aussi qui est là avec moi aujourd'hui et on est sur les nouveaux verres de chez Excellence Rhum. On en parlera aussi sur la chaîne. Donc il existe aussi en version vieux, puisque le fameux 2018 qu'ils avaient sorti en blanc, ils l'ont mis à vieillir. Et aujourd'hui, ils ont sorti donc une bouteille qui est similaire, mais avec le bas un petit peu fumé, un petit peu avec ce côté vieux, en fait, ce vieux côté brun. Sur le fond de la bouteille, bleu-brun, je crois, au lieu d'avoir bleu-blanc. Je peux vous mettre la petite photo à droite ou à gauche, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je l'ai goûté aussi. Je n'ai pas trouvé qu'il était mauvais, mais je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Contrairement à ce rhum blanc-là, où j'ai vraiment, vraiment eu un coup de cœur sur celui-ci. Donc là, on est sur quelque chose de très classique. On est sur un rhum blanc, on a un rhum un petit peu cristalline, mais rien de spécial à dire. Et pas trop, trop gras, par contre, à l'apparition des larmes. Le nez, c'est une petite merveille. C'est clairement, t'as le peps, tout ce qu'il faut dedans. T'as les degrés, t'as le peps, t'as l'agrume, t'as le citron vert, t'as tarte meringue à la vraiment citron. On a ce jus de canne frais qui vient, ces effluves qui viennent directement, cette sucrosité de la canne extrêmement présente, très 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 beau. On a absolument tout ce qu'il faut, je trouve. On a une superbe harmonie. Je parlais un petit peu de nez envoûtant sur le Ranguiroa dans la dernière dégustation de blanc. Là, on est
un cran clairement au-dessus. On est vraiment au-dessus. Et là, en voûtant, ouais, je pense que c'est clairement vraiment la définition même de celui-ci. T'as le nez qui est là. Je l'ai fait sentir mon père avant-hier, qui est un grand fan de rhum agricole, plutôt un petit peu Martinique que Guadeloupe. Et il a aussi eu un coup de cœur sur celui-ci. Donc je pense que clairement, enfin voilà, les chats font pas des chiens. Je pense que là, si le papa ours le dit aussi, le papy ours le dit, c'est que clairement on est sur un très très bon produit. Ah, c'est super chaleureux en plus. Pff, moi, il y a absolument tout ce qu'il me faut pour un rhum blanc. On a presque l'impression de déjà l'avoir en petit punch, quoi, avec ce citron vert, ces agrumes qui sont là, mais très moelleux. Avec un petit peu de peps, un petit peu de caractère, mais en même temps très très doux, pas trop trop fort, pas trop concentré non plus, juste ce qu'il faut en aromatique, les degrés, enfin, le nez il est top, vraiment top. Il y a peut-être une petite pointe d'épices douces, tu vois, qui se passe aussi à travers ça, petit côté presque peut-être un petit peu pâte d'amande aussi, mais massepain peut-être plutôt. Et clairement, waouh, il est topissime. Et tu vois, j'arrive même pas à m'enlacer, tu vois, je suis là, je suis dessus et je reste dessus. Alors on a ce côté moelleux de la canne et vraiment soleil quoi, c'est un verre de soleil là, clairement. Et tu vois 57,5 c'est quand même assez haut tu vois en degré, mais au nez hein, c'est une douceur, oh là 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 là, c'est une caresse, c'est une vraie petite caresse. À la bouche, on sent qu'il y a ce petit caractère, ce petit peps qui vient de prendre. On a en même temps quand même ce moelleux de canne. On a le côté agrume qui est là. Mais vraiment plus là, le nez était vraiment juste citron vert. Là, la bouche était un petit peu sur le côté, c'est ça, tarte meringuée, citron, citron jaune avec du sucre, tu vois, par-dessus. Un petit peu, ouais, une vraie douceur finalement, comme le nez. Et avec quand même ce petit peps de caractère, un peu plus puissant que ce que tu pouvais avoir au nez. Ces épices qui accrochent un tout petit peu sur le début de bouche, puis qui après, ça s'agisse très très vite. On a une super finesse, on a une grosse gourmandise. C'est un tout petit peu gras en bouche, un tout petit peu, vraiment, tout petit peu. Ces agrumes et ce citron qui est là. Le côté peps, c'est, en fait, c'est une belle vivacité finalement, quand ça rentre directement dans la bouche. Ouais, presque un petit peu pétillant comme ça. Les 57,5 ils sont topissimes. J'aime bien. Il y a un tout petit côté qui me rappelle un petit peu le canne grise 59 de chez Biel, qui pour moi est l'un des meilleurs blancs. Et il y a un tout petit côté comme ça aussi. Donc tu as ce côté peut-être un peu tarte au citron meringué. Grosse vivacité de bouche, gros caractère, mais en même temps super doux dans une vraiment. Une belle main bien forte dans un beau gant de velours, tu vois, qui vient te serrer la main, qui dit « Bonjour, je suis là, je suis le long de ton constellation. » Il te prend, il a une poignée, tu vois, et en même temps, ce gant de velours est tout doux, presque agréable. Ça tapisse un peu la bouche, j'adore. On a un petit côté fruité, mais c'est assez lointain, c'est pas ce qui reste le plus sur la bouche. On a vraiment cette belle rondeur de canne, légèrement acidulée. Oh, canne fraîche. Et on a une petite fraîcheur qui s'installe quand tu commences à arriver sur une deuxième bouche, qui vient sur la finale. Mais avant d'arriver sur la finale, elle te permet de rehausser un petit peu ça. Et c'est ça qui est top, c'est que la première gorgée, tu prends un peu plus le côté citron, tu prends le côté jus de canne, très moelleux, un tout petit peu gras qui va commencer à disparaître. Et la deuxième, tu as la fraîcheur qui arrive. Et la fraîcheur qui te permet de garder l'aromatique en bouche, qui fonctionne super bien. Et il y a une espèce de logique en fait entre le nez et la bouche pour l'instant. Et en arrivant sur la finale, je trouve qu'il y a même une logique avec la finale. Ça, c'est très très bien. T'as une belle harmonie, t'as une histoire cohérente entre les trois. Ça, c'est des trucs que j'aime bien parce que des fois, t'as des nez qui n'ont rien à voir avec la bouche, la finale qui est beaucoup pas assez persistante, tu vois. Là, je trouve entre les trois, ouais, ça rentre bien. Là, au final, j'ai vraiment un côté presque un peu, ouais, j'ai ce côté pâte d'amande, épices douces, banane, citron vert, le jus de canne, okay, ouais, ces petites épices un tout petit peu rehaussées, ça vient de prendre, ça pique un tout petit peu le palais,
C'est un peu sucré. Waouh. J'ai presque même une petite note d'abricot rôti. Un côté peut-être de loin papaye. Donc ce fruité est plus sur la fin de bouche. Il reste avec la fraîcheur. Super. Il demande vraiment ce qu'on vienne dedans. Vraiment. Tout petit côté, j'ai une petite caresse fleur de sureau qui a apparu et disparu. Et on a un léger et j'ai presque même un peu un côté fruit un petit peu confit. Et ce peps avec un côté un tout petit peu poivre, poivre noir qui pique un tout petit peu la langue, avec la fraîcheur, la bouche, pâte d'amande, abricot, dessert moelleux, canne fraîche. Waouh! Et les 57 sont top. Donc la finale, elle reste. Elle est plutôt longue pour un rhum blanc. Cette vivacité et cette rondeur qui s'accordent très 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 bien dans la bouche. C'est presque un sans faute. Hein. Pour le coup, vraiment parfait quoi. Il y a peut-être un tout petit truc qui est apparu là sur le côté fraîcheur. C'est peut-être un tout petit côté fraîcheur réglisse. Et on a vraiment un super parfum qui reste en bouche. Super final, super bouche, super nez, super cohérence. Très belle harmonie entre tout. Les 57,5 qui sont très bien positionnés. Waouh. Pour conclure, on est sur une histoire qui tient la route complètement pour moi. On est sur une édition limitée, mais qui en termes de tarifs est encore à peu près abordable parce que t'es à 46 euros. T'es à 46 euros pour une bouteille blanc premium, clairement. Beau packaging, 70 centilitres, 57,5, donc t'as des degrés. T'as une vraie histoire autour. Très très bien ficelée, une superbe harmonie, une belle finesse. C'est vraiment un exemple. Je pense en rhum blanc. Je l'ai encore un peu en bouche là. Et en me référant par exemple au Biel Canne Grise auquel j'ai mis un 10, je peux pas ne pas mettre un 10 à celui-ci. Parce qu'en plus, t'es encore. Il sera au-dessus de 50 euros, tu vois, comme on commence à avoir plein de rhum blanc où t'es à 55, 60 euros, 10 sur 10, parce qu'on est sur le niveau du Biel Canne Grise qui est pour moi un des meilleurs rhum blanc que je connaissais. Donc clairement, ouais. À 46 euros. L'ancienne bouteille Constellation 2018, il l'avait à 38, je crois, en dessous des 40. Là, on est un peu plus cher, 46. Mais bon, en même temps, quand tu vois les montées des prix partout, c'est pas spécialement choquant. Là, pour le coup, je suis prêt à les mettre, les 46 dans une bouteille comme ça. Tu vas pouvoir te faire du Tiponche aussi si tu as envie. Tu as presque déjà le Tiponche qui est presque déjà tout fait hein, dans le verre. Donc 10 sur 10, je peux pas mettre autre chose. 46 euros, ils sont logiques, ils sont honnêtes. Le prix, il est honnête pour ce que tu as, tu vois. Il aurait été à 48,50, je pense que 50 euros, je serais encore allé, tu vois, sur un 10 sur 10. Au-dessus de 50, peut-être que j'aurais commencé à me poser la question, mais non, là, tu peux pas mettre autre chose comme note. C'est un parfait, c'est un sans faute. C'est super bon, le packaging, il est top. Le nez est bien, la bouche est bien, la finale est bien. Il peut s'utiliser, il peut se boire en pur, comme ça, en pur, il est topissime. Anti-ponche, j'en ai fait un seul pour l'instant. J'ai mis très, très, très peu de sucre, très, très, très peu de citron vert. Tout seul, t'as presque déjà le Tiponche, de toute façon presque dans le verre. Quoi dire de plus quoi, je pense que j'ai rien à ajouter, je pense que ma tête dit tout. Et voilà, 10 sur 10, amplement mérité pour ce long taux Constellation, premier 10 sur 10 de 2023. Ouais, ça se boit tout seul. Petit côté râpeux, un tout petit peu sur la langue aussi quand même. Noix de muscade peut-être même, que j'avais pas eu avant. Qui est très léger aussi, et c'est ça qui est réussi, c'est que c'est pas protubérant. Là, t'es sur du très haut vol. 10 sur 10, amplement mérité. On arrête là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rome, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, le compte Instagram. Abonne-toi à la chaîne. Aux 10 000 abonnés, vous gagnerez une bouteille. Il y a d'autres trucs qui arrivent. On a bien commencé 2023. Je pense que ça va être une belle année pour la chaîne. Et comme d'habitude, eh ben, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum, et là pour le coup pas plus haut que le rhum blanc, je reprends le coup.